Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Moi j'ai passé un bon week-end, je suis passé vite fait à Toulon. Bon, je suis pas allé à Marseille, J'avais des envies d'aller à Marseille, mais je suis pas allé à Marseille. J'ai préféré aller là où j'ai l'habitude d'aller, à Toulon. J'aime bien traîner à Toulon. C'est la ville là où j'ai grandi quand même, c'est là où j'ai été adopté à Toulon, donc voilà, c'est une ville que je connais bien, que j'aime bien aller passer des moments, puisqu'il y a mon meilleur pote et tout, etc. On a bien rigolé, ça s'est bien passé, et puis voilà. Je viens juste de rentrer, et vous savez quoi, je rentre, tout se passe bien, tout ça. Je range mes affaires et tout. Après, je regarde mon portable, et devinez ce que je vois. Je vois quoi? Paris, ils ont perdu. Je dis non, arrête. La réaction que j'ai fait, j'ai fait comme ça. J'ai juste frotté un peu mes yeux comme ça, j'ai fait comme ça. J'ai dit attends, non, il y a un malentendu. C'est peut-être parce que je suis fatigué, parce que là, tu vois, je suis rentré, je suis fatigué. Voilà, j'ai fait 2-3 heures d'autoroute et tout. Je suis fatigué, je suis KO. Je regarde bien. Après, je regarde bien. Après, je dis, non, il y a un malentendu. Peut-être que c'est moi, je suis fou. Je pense que je suis fou. Pourtant, j'avais bien dit, dans la dernière, vous avez bien regardé la dernière vidéo que je viens de faire à Toulon avec mon pote maudit, que Paris, normalement, va gagner contre Lorient. Moi-même, je me suis surpris. Je me suis dit, non, il y a un malentendu. Ben, c'est Lorient. Après, je dis, attends, rappelle-moi le. Je me suis interrogé tout seul. Je me suis dit, rappelle-moi le classement, David. Rappelle-moi-le un peu. Je dis, attends, Lorient. Ils sont bien tout en bas là, 18e ou 20e, je sais pas quoi. Je dis, attends, Paris, ils sont combien Paris? Et je regarde Paris, je me dis, attends, Paris, ils sont premiers. Et après, je vois quoi? Ça, le match, il est fini et Lorient, ils ont gagné. Ils ont gagné face à Paris. Je dis, non, jusqu'à là que je regarde la vidéo, je regarde bien le score. Je dis, il y a un malentendu. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. On peut voir comme ça là, je sais pas. Vous voyez bien, non? Je pense que vous voyez pas très bien là. Peut-être comme ça, vous allez voir, là, vous allez bien voir comme ça. Enfin bref, vous allez dans l'équipe, enfin dans les applications, vous allez voir le score et le classement. Et du coup, je vois Lorient, ils sont 18e et Paris est passé dans la... Ils sont passés, mais moi je dis non, attends, jusqu'à là je suis encore surpris. Ils sont 3e, Paris, 3e. Je dis bien entendu, là. Donc nous on est 2e. Alors comme ça, alors c'est comme ça que ça marche, alors c'est comme ça que ça marche, les amis. C'est chacun son tour, alors cette année. C'est chacun son tour. Et au final, c'est qui va être champion? J'aimerais bien savoir, parce que là c'est chacun son tour. Pour moi, c'est ça. Hein. Je viens de voir le résumé des matchs, du match. Neymar et Paris dépend de Neymar. Neymar, il a fait un penalty, il l'a mis, mais il dépend de Neymar, il dépend de... Je comprends plus rien là, ou c'est le Covid qui fait ça, ou je sais pas. Mais il y a des problèmes là, dans cette équipe de Paris là. Mais en tout cas, l'entraîneur, pour moi, hein, en tout cas, il vaut pas une thune. Hein, moi je suis désolé de vous dire, mais l'entraîneur, ils ont pu un grand club comme ça, qui a des grands joueurs, je sais pas, mais bon, voilà, c'est un jeu. C'était un entraîneur qui a joué à Paris, oui, certes, tout ça, il a dû passer et tout, oui, tu vas me dire, oui, vous avez raison. Mais moi, je dis que moi, Paris ne mérite pas cet entraîneur-là. Un grand entraîneur, je ne sais pas, tu vas chercher un grand, je ne sais pas. Même Mourinho, je ne sais pas, tu vas chercher un grand. Bon, après, Mourinho, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut le prendre ou plus tard, mais bon, je pense que lui, c'est pas pour lui-même Paris. Mais il y a d'autres entraîneurs qui peuvent être mieux que ça. Enfin, mais en tout cas, Paris, là, je ne comprends plus rien. Mais en tout cas, tout ce que j'ai compris, c'est que bon, maintenant, cette année, c'est chacun son tour. C'était Lyon, le premier, maintenant, c'est Lille. Demain, ça va être peut-être, la prochaine fois, ça va être peut-être Lyon, ou après Paris encore. Chacun son tour. Et attention, hein, il y a la menace Monaco qui arrive, hein, il faut faire gaffe. Hein, ceux qui regardent bien les championnats, il y a Monaco qui revient, là. Ils reviennent en masse. Donc, voilà. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que là, aujourd'hui, je suis étonné. Parce que Paris, on les voit, ils jouent, mais je ne sais pas si on commence comme ça. S'ils vont être champions, je ne suis pas sûr à 100%, je dirais 80% pour le moment. Parce que là, je ne sais pas s'ils vont être champions. Mais il y a des chances aussi que Lyon peut être champion ou que Lille peut être champion.
Mais Marseille, ils vont revenir à, comme d'habitude. À la, comme... Mais Marseille, j'ai pas de soucis pour Marseille, franchement. Comme j'ai parlé à un de mes potes aujourd'hui à Toulon, un Marseillais, un vrai Marseillais. Moi, j'ai pas de soucis à me faire pour Marseille. Puisque Marseille, franchement, c'est une équipe qui va... On les connaît bien. Hein. Là, on les entend pas, Marseille. Bon, tu vas me dire, là, ils sont pas bons, nanana. Mais dès que le championnat, tu vas arriver à 5 derniers matchs, trucs comme ça, là, ils vont remonter direct. Direct. C'est là qu'ils vont faire les... qui sont les plus forts, Marseille. Quand c'est la fin du championnat, ils font tout péter. Donc, il faut se méfier de Marseille. C'est pas une équipe, c'est pas parce que... Là, en ce moment, c'est un peu la crise, Payet, il se cherche, il a des embrouilles avec le coach, il le fait pas jouer, un coup, il joue, un coup, il joue pas. Là, c'est pas le problème pour moi, c'est pas le problème. Mais dès que ça serait la... Gardez bien ce que j'ai dit. Dès que ça serait la fin de la saison, Marseille, ils seront pas vers les 4e ou 6e ou 7e. Ils vont remonter même peut-être à la 3e place. Ils vont même peut-être nous passer devant Lyon. Alors... Je dis, c'est nous, on est en train de se faire chacun son tour. Un coup, c'est Lille qui est premier, un coup, c'est Lyon, un coup, c'est Paris, un coup c'est, on dirait même Monaco qui vient s'en mêler. Donc, moi, je dis que le championnat, il est bizarre avec ce Covid et tout. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, si je suis impressionné de voir que Paris a perdu contre les derniers du classement. Je dis vraiment, chapeau pour Lorient. Je ne croyais pas qu'ils allaient faire ça, mais je ne croyais pas. Moi, comme je vous ai dit à la dernière vidéo, Paris, normalement, on va gagner et tout. Mais là, je suis choqué. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais quand même, c'est... franchement, rien à témoigner ce match. Je ne comprends pas. Il y a un problème à Paris. Lorient, ils sont en crise. Ils sont en bas. Hein. Ils sont très en bas. Mais bon, ils ont mis toute leur rage. Ou peut-être qu'ils sont dopés, les joueurs de Lorient. Ils sont dopés. Comme par hasard, quand ils entendent Paris, ils gagnent. Mais ce n'est pas que c'est Lorient. C'est que Paris ne va pas. Cette année, Paris ne va pas. Je ne pense pas qu'ils vont peut-être pas être champions cette année. Bon, après, moi, j'attends beaucoup la Coupe de France, comme vous avez vu l'année dernière. On a bien rigolé à la Coupe de France. Donc, voilà, moi, j'attends la Coupe de France pour voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que Lyon va faire quelque chose en Coupe de France cette année. Peut-être. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a toujours des surprises. Alors, on va voir ce qu'il va y avoir comme surprise. Mais en tout cas, félicitations à Lorient, puisqu'ils ont fait leur match plein chez eux. Et ils ont gagné. Et moi, je ne pensais pas à ça, hein. Je pensais qu'ils allaient perdre, mais bon voilà. Comme quoi Lorient, c'est pas qu'ils sont derniers qu'ils peuvent faire peur à tout le monde. Et nous on l'a gagné, Lyon a gagné, donc voilà. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Moi je savoure cette victoire de Lorient puisque ça dépanne un peu, puisque ça fait un peu chacun son tour. Un coup c'est Paris qui est premier, un coup c'est Lille. Peut-être après ça sera un peu Lyon, après ça sera à nouveau Paris, peut-être Monaco qui va venir. Et en attendant que Marseille se réveille, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont morts, parce que je sais très bien que Marseille, comme ils sont, ils font un style, ils sont morts, c'est la crise et tout, mais quand ils vont remonter, c'est eux qui vont faire le plus peur. Et même, ça se trouve, c'est eux-mêmes qui vont être champions. Donc voilà, je voulais juste débriefer ce week-end qui était exceptionnel par la victoire de Lorient quand même, parce que c'est une équipe de qualité, parce qu'ils ont battu Paris, vous allez dire... Il y avait Neymar, c'est tout, il y avait quand même des joueurs, c'est Paris, c'est une équipe. Donc voilà, moi je pense que Paris cette année, ça va être chaud. En tout cas, il me surprend. J'avais dit qu'ils allaient gagner Paris, ben, ils m'ont trompé, je pense que voilà. Je comprends pas. Bon les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et salut, et félicitations encore à Lorient. Et il y a l'Olympique Lyonnais qui a gagné, qui est deuxième derrière Lille, attention. On verra le week-end prochain qu'est-ce qui va se passer encore comme surprise. Allez, salut les amis, et faites une bonne semaine. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.